Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rugby Magazine. On va beaucoup vous parler de rugby féminin aujourd'hui. Oui, les filles à l'honneur, mais pas seulement. Il y aura aussi des tranches de vie. Vous le voyez, nous sommes au Stade Sabaté à Montpellier. Pourquoi ? Parce que Montpellier reçoit Blagnac. C'est un derby qui s'annonce haut en couleur. Un derby qu'on va vous raconter dans notre épisode autour des filles de Blagnac, ces filles formidables. On va vous en parler tout à l'heure, mais d'abord le sommaire. Jour de derby pour les filles, Blagnac se déplace chez le leader Montpellier, un derby à vivre de l'intérieur. Alain Yardé, ex-entraîneur de Béziers, Perpignan ou encore Montpellier, s'est exilé aux États-Unis. Est-ce son rêve américain ? Il est notre invité. Elle aussi s'est exilée pour devenir la première française professionnelle. Gaëlle Mignot joue désormais en Angleterre. Voici sa nouvelle vie. Et on couche, et puis l'adversaire, et on move. Lucy, that's floor. Elle est très française, c'est-à-dire avec un jeu dur, des impacts très physiques, très fortes sur ses appuis, conquérante dans les rucks. Quelqu'un qu'on préfère avoir dans son équipe plutôt qu'en face. La capitaine de l'équipe de France, auteur d'un essai lors du match pour la troisième place cet été à la Coupe du Monde, arrive à Richmond avec plusieurs statuts. Joueuse cadre, relais des entraîneurs, coach de l'équipe féminine réserve. Une saison outre-manche en forme de remise en question pour la talonneur. Je suis compétitrice et je l'ai dit, je me semble à cette Coupe du Monde que je ne savais pas trop quel était mon avenir. Et voilà, je suis venue ici me relancer un petit peu, voir où j'en suis rugbystiquement, me redonner un challenge rugby parce que ça reste une grosse frustration pour moi cette défaite en demi-finale et cet arrêt. On l'avait vraiment préparé, cette fois-ci j'y croyais vraiment et ça a été très dur. No, he is happy. Yeah, this is my pen. This is my pen. C'est une élève un peu spéciale, c'est la seule qui a une page sur Wikipédia. Retour à l'entraînement à Richmond, l'un des plus vieux clubs d'Angleterre, fondé en 1861. Un community club, comme on dit ici, sans professionnels, mais avec un vivier important, 2700 licenciés. Des joueurs et joueuses qui s'entraînent facilement ensemble. Et un duo de coachs franco-britanniques qui s'appuie volontiers sur ses cadres. Elle n'est pas là parce qu'elle est une des meilleures joueuses du monde. Elle a un rôle à jouer comme coach également. Et ses compétences sont fantastiques pour notre jeu d'avant. À 30 ans, Gaëlle Mignot, elle, a trouvé dans la banlieue de Londres un cadre accueillant et stimulant pour son nouveau défi sportif. Gaëlle Mignot, on vient de le voir, qui s'est exilé en Angleterre. Lui, il est allé encore plus loin. C'est Alain Yardé, ancien entraîneur de Montpellier, de Béziers, de Perpignan. Eh bien, tenez-vous bien, désormais, il entraîne Austin au Texas avec une mission, développer le rugby aux États-Unis. Alain Yardé est l'invité de Rugby Magazine. Bonjour. On parle en anglais ou en français ? On va parler en français, on est en France. Exilé fiscal ou globe-trotteur ? Alors on va dire globe-trotteur. Hein. On ne peut pas parler d'exilé fiscal. Globe-trotteur parce que c'est une première expérience. Je suis le premier Français à partir aux États-Unis dans un nouveau championnat qui a démarré il y a un an. Ça va être la deuxième saison. On va pouvoir voir un match de rugby à 20h le samedi. Donc une énorme avancée, une première grande avancée et donc vraiment un vrai premier grand challenge. Trump ou Macron ? Austin n'est pas du tout Trump. Beaucoup d'étudiants, ville très jeune, moyenne d'âge de 34 ans, beaucoup de IT, donc un peu controversé par rapport, je dirais, à l'ensemble du Texas. Je dirais Macron. L'équipe de France championne en 2023, je crois qu'on va être obligé de mettre un grand coup de pied à la fourmilière si on veut avancer et que nos deux entités, que ce soit la Ligue ou la Fédération, à un moment puissent collaborer et puissent travailler ensemble. Et si on veut retrouver une équipe nationale forte, il faut qu'on ait un championnat où il y ait une vraie collaboration entre la fédération et la ligue. Ton rêve le plus fou ? Mon rêve le plus fou, quand on parle de rugby et quand je vois le périmètre du rugby américain,
ça serait vraiment de pouvoir mettre en place un vrai travail de fond, notamment sur la formation. Béziers ou l'USAP? Alors c'est une question qui est assez marrante parce que j'avais quitté Béziers en 94, un peu fâché avec les dirigeants, et j'ai quitté l'USAP en 99. J'ai cassé un contrat pour repartir à Béziers en deuxième division pour finir mon histoire. Parce que j'avais joué, j'avais été capitaine et j'avais besoin de terminer l'histoire, et j'ai terminé l'histoire en tant qu'entraîneur. J'ai repris l'équipe en deuxième division. J'ai pas envie de choisir en fait. C'est deux histoires qui ont marqué ma vie. Une, celle de joueur, puis après celle d'entraîneur, et l'USAP, celle de ma première expérience d'entraîneur. Donc je dirais Béziers et l'USAP. C'est quoi les visions de ton rêve américain ? J'ai pas vraiment de rêve américain. J'aimerais simplement qu'on puisse dire que les Français, ce sont des gens qui sont arrivés dans le rugby, qui ont travaillé, qui ont collaboré à l'évolution du rugby américain. Si je devais avoir un rêve, ça serait de dire d'ouvrir les portes en fait aux Français pour les équipes américaines et pour le rugby américain. Merci Alain. Thank you. Thank you very much. Ouais, vous l'avez entendu au loin, l'annonce en touche. Ouais, c'est pas facile, hein. Des fois, c'est des chiffres un peu compliqués, 4, 3, 2, 1, 0. On ne comprend pas souvent à quoi ça correspond, comment décrypter les annonces en touche. Eh bien, il est l'heure de notre petit geste technique. Bonjour, c'est Tom, je joue toujours à Colomiers. Et aujourd'hui, on va parler des touches, plus précisément des annonces en touche. Allez, venez. Salut Stéphane. Tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, super. C'était pour savoir, parce que comme j'ai vu, c'est toi qui lançais en touche, ouais. Comme je comprends rien, c'était pour savoir si tu pouvais m'expliquer un peu. Bah, t'inquiète pas, on va te montrer. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met ensemble un code qu'on essaie de travailler toute la semaine. Mm-hmm. Donc chacun le retient, et le week-end, en fonction de l'adversaire, on essaye de le mettre en place, quoi. Tu veux voir comment on fait? Oui, je veux bien. Bon, allez, viens voir. 5-1. Oh. 2-3-2. Je voulais savoir pourquoi 5-1 et des noms comme ça, parce que ça doit être, enfin, vous devez vous emmêler les pinceaux quand même. Bah écoute, on essaie de mettre en place des chiffres qui ont une signification qui correspond à la même pour tout le monde, qu'on est censé les seuls à pouvoir comprendre. Mmh. Et faut faire attention aux adversaires parce que... Bon, voilà, c'est pour ça qu'il faudrait pas que la caméra répète trop nos annonces, ça nous embêterait beaucoup quoi. 5-4. Et si vous dites rien, le talonneur, comment il fait? Il sait pas où lancer, il fait... Ben, il est complètement perdu. Et la balle tombe n'importe où. En fait, il peut le ballon. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est quand on a de la chance. En général, elle tombe n'importe où. Et... Merci, salut Tom. À la prochaine, Tom. Allez, il est l'heure de notre derby Montpellier-Blagnac. Vous voyez, les filles sont en train de finir leur échauffement. Montpellier-Blagnac, c'est un derby. C'est aussi une question de suprématie dans cette première division féminine. C'est donc l'épisode 3 de notre feuilleton, le cœur des filles de Blagnac, avec Sophie Pointer et Jean-Pierre Duns. Un dimanche sans grasse matinée pour les filles de Blagnac, direction Montpellier. Alors que certaines joueuses en profitent pour terminer leur nuit, d'autres discutent des contre-performances du 15 tricolore. Salomé, Clara et Mélanie ne manquent jamais un match de l'équipe de France. Teddy Thomas, je ne l'ai pas trouvé extra aussi. Mais non, mais moi non plus, je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont gardé sur les trois matchs. Moi, j'ai cru qu'il n'allait jamais revenir. Avec les Six Nations qui arrivent et puis la Coupe du Monde en France, il va falloir que ça change, quoi. Petite pause à Palavas, les flots ambiance bord de mer, juste le temps de se dégourdir un peu les jambes au soleil, la tête déjà dans le match face à l'éternel rival. Montpellier, c'est toujours une revanche. On les a eu deux fois en demi-finale en 3 ans. Deux fois, ils nous ont privés d'une finale. Donc on a toujours envie de leur faire voir que bah, cette année, peut-être que c'est elles qui sauteront. En attendant, c'est Montpellier qui domine le top 8. Et pour ce derby d'Occitanie, ce n'est pas vraiment l'Altrad Stadium qui attend les joueuses, mais une pelouse qui a sans doute connu des jours meilleurs.
pour une équipe de Montpellier champion de France, première de je trouve que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. On n'a pas d'affiche dans la ville, on n'a pas. Bon, c'est une grosse affiche hein, avec des internationales. C'est quand même dommage, voilà, qu'on présente un terrain qui soit aussi pelé, aussi peu droit. Et puis bon, avec si peu de spectateurs, c'est bien dommage. Et oui, dommage, car Blagnac-Montpellier, ce sont les retrouvailles de deux talents du rugby féminin. Les capitaines et internationales Audrey Abadi et sa fille Ndiaye. Bon match. Merci. Bon match. On a envie sur ce terrain, on va tout défoncer les filles, je vous promets. On a tout. On est soudés, on a les qualités individuelles, il nous manque juste ça, la niaque. Vraiment la niaque. Cette envie d'en découdre, les Blagnacaises vont la tenir pendant 25 minutes. Un jeu conquérant et deux essais marqués coup sur coup. Mais ce pressing va vite s'essouffler face à des Montpellierennes qui sonnent la charge. Blagnac encaisse trois essais et rentre au vestiaire sonné. Alors moi, les filles, il faut m'expliquer un truc. Ça fait 15 jours qu'on travaille à la défense. Derrière, qui a mis un tampon? Qui a mis un tampon derrière? Personne! Et les Blagnacaises ne trouvent pas la solution. Montpellier s'envole au score. Déboussolé par un arbitrage totalement incohérent, les filles terminent le match, le moral dans les chaussettes, touchées dans leur orgueil. Et c'est la capitaine qui doit trouver les mots. Il faut avoir confiance en nous, les filles. Il n'y a que ça. Parce qu'on jouait libéré, parce qu'on tentait tout, parce qu'on avait zéro complexe. Donc il faut qu'on bascule dans ça. Heureusement, pour évacuer la déception, il y a les 3 heures de quart retour. Et là, pas question de dormir. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Merci de votre fidélité. Merci aussi à ces filles de nous avoir réconciliés un petit peu avec le beau jeu, avec le rugby. Je vous laisse avec les insolites du net. Je vous dis à samedi prochain, à samedi. Arrête, Fabien, arrête. Hein. Arrête parce que tu arrête. Arrêtez, Fabien, je te dis. Arrête.